Bonjour, grand matin. Ça va? Non, ça va pas. Pas pareil, ça va. Ça va? Vous allez bien? Nous gagnons bon la semaine. Vous êtes contents, Zomina? Vous êtes contents? On va prendre trop de temps. On va gagner un tracas. Vous connaissez, il n'y a pas cause beaucoup. Donc, bon, vous dites que nous avons dit ça, nous n'avons pas devant toute persécution et la bénédiction. Nous avons dit ça? Vous avez compris là que ça veut dire quand tu es en persécution, ça veut dire pas devant obstacle là et na bénédiction. Si tu dis pas devant toute persécution et na bénédiction. Nous croyons. Amen. Et this aujourd'hui nous parle d'un passage bien connu de la Bible et d'un thème qui bien souvent nous causait c'est la foi, mais nous pouvons le lire un petit peu d'une autre façon. Ce matin. OK? Et souvenez-nous la Bible dans Hébreux. Dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. OK, c'est bon? Au fait, ça tout entier chapitre là, il cause la foi. OK? Donc, entier chapitre. Donc, chaque verset que nous trouvons, c'est pas la foi qu'Abraham, c'est pas la foi que Sarah, c'est pas la foi que Noé. Donc, il cause la foi. Et dans le premier verset, il dit à nous, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est quoi? C'est pas une assurance qui est faible, mais il dit à nous que la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que ça veut dire ferme? Ça veut dire qu'il est solide, qui pas fragile, qui pas faiblir, mais une la foi qui est faux, qui est ferme, qui est résistée, tout quelque chose. Et là-dedans, il y a un exemple, comment il parle d'Abraham, quand je peux lire, parce qu'il est un peu long, il y a beaucoup versets, mais de vous trouver dans Abraham et dans Noé, les causes de Enoch et surtout de Moïse. Côté là, c'est par la foi et grâce à la foi qui Saban Dimoula, je finis témoin de la puissance et de la main puissante de Dieu. Amen. Et là, on visite qui nous concentrer nous là, Moïse. Si nous guettons au verset 27, donc toujours dans Hébreux 11, le verset 27. Il dit à nous, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra, comment lui montrait-il? Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc là, nous trouvons que Moïse, il t'y montrait quoi? Il t'y montrait elle la foi qui est ferme, ok? Donc, elle a une voix solide. Donc, je tout connais un peu l'histoire de Moïse, qui dit, donc, bon, dit-il qu'aux orlis, tu dis comme ça, qu'il dit, il vous a délivré le peuple d'Israël, il vous a tiré le peuple d'Israël depuis l'Égypte, et amène-t-il, comme ça, dans la terre promise, ok? Et quand là aussi, nous trouvons que bon Dieu fit nous ouvrir la mer rouge. Parce qu'à un moment donné, pendant ce parcours, même si le peuple d'Israël, tu peux plaigner, beaucoup des fois, pareil comme nous, une fois, nous aussi, nous plaigner, ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que nous, c'est un grand bon Dieu. Mais même si le peuple d'Israël, tu peux plaigner, bon Dieu, toujours, tu restes fidèle. Et je peux trouver que dans sa période que tu peux aller là, dans le désert, à un moment donné, qu'ils ont trouvé devant eux, ils ont trouvé la mer rouge. Et quand ils ont guetté derrière eux, qu'ils ont trouvé? Ben, soldats égyptiens. Ben, soldats pharaons. Période de regains, eux, pour amener tous eux, amener eux dans l'Égypte. Et là, nous réaliser qu'ils nous la vie, les circonstances aussi de nous la vie, il n'est pas aussi différent.
Ça t'est arrivé dans l'Ancien Testament, oui. Maintenant qu'on nous cause dans nos contextes, il n'est pas aussi différent. Des fois, c'est dans une circonstance que notre problème dévient, que nous avons un problème dévient, que nous avons un problème. Il fait nous rappeler sa postère qui tient à longtemps, nous rappelle dans le dispensaire, une madame là avec l'hélène qui a diabète, tension, il dit maladie, problème peut faire sur les tours. Mais dans la fois, nous aussi, nous retournons à sa madame là, dit ce problème peut faire nous les tours. Oui ou non? Il y en a bien souvent, des fois, arrive nous ça. Mais nous devons, comment m'explique ça? Nous devons la mer rose, oui. Mais qui tient au-delà de ça la mer rose là? Qui peut atteindre le peuple d'Israël l'autre côté ça la mer là? La promesse, la terre promise. C'est même que nous disons devant toute persécution, pas devant toute persécution et même bénédiction. Ok? Maintenant, laisse-nous analyser bien. Qu'était ça la mer rose? Ok? Alors, laisse-nous distraire dans Exode. Dans Exode chapitre 14, verset 13. Vous pouvez aider depuis le début. Donc, le verset 13, il y a nous, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Là, il continue, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Donc, quand nous guettons ce verset-là, il y a nous qui bondons, capables d'ouvrir la mer, vous autres. Il n'est pas nouveau pour nous. Mais des fois, nous prenons tellement nous tonne ces histoires-là, tellement nous lire ces histoires-là, une vie dans sa fait qui est banale. Bon Dieu, ouvert la mer. Est-ce qu'ils trouvent ça possible, ça, pour nos propres compréhensions? Est-ce qu'ils nous comprennent ça, nous-mêmes? Non, c'est bon Dieu qui est capable de faire ça. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, il y a comme ça que le peuple d'Israël, il traverse la mer comme un lieu sec. Nous, quand on a la mer, quand on a le fic en flaque, quand vague vient l'eau dissable, quand l'est réalé, est-ce qu'il dissable là, il est sec, vous eux? Non, l'humide. Mais comment nous bondir, nous pouvons bondir, comment il a fait ça? Quand il fait un miracle, il pas fait lui à moitié, il pas fait lui partie bout, il fait lui au complet. Ça veut dire comme ça, bon, toi lève ta verge, Moïse, vous pouvez la mer rose devant eux. Vous pouvez la mer rose. Et l'eau là, mais pas non seulement pouvez la mer rose là, mais non, dit pour comment dire un lieu sec. Ça veut dire, zut sandales, pas tu pour rentrer dans du sable, zut sandales, pas tu pour coller. Donc, zut tu pour traverser, comment dire, patiner à la mer. Et c'est ce pays qui a fait, zut réfléchir, zut mazine, ça, fait sa vision là, comment dire un film. Zut mazine, zut, qui t'est arrivé dans ce temps-là. Et comment. Parce que ce qui m'a envie de dire aux autres, là, non, ce qui m'a envie d'encourager aux autres, c'est que nous capables, par exemple, quand on peut passer un coup de balai, oublier un petit bout de saleté pas là, un petit bout de saleté pas ici. Mais bon Dieu, non. Quand il fait quelque chose, il peut faire quelque chose, comme on dit, pour quitter un petit bout, il dit, aïe, aïe, même pas, même bien faire ça pour Lisbeth, même bien faire ça, petit bout là, non. Il fait tout en entier, il fait tout au complet. La promesse de Dieu, quand il donne nous tout. À 100%, des 100%. Il n'y a pas oublié aucun pensée, il n'y a pas oublié aucun bout. Amen. Tu te crois? Mais quand tu as un amen, tu te crois? Ok. Et je connais bon Dieu capable de tourner tout quelque chose en nos faveurs. Lui-même qui contrôle tout quelque chose dans ce lamé. Amen. Et donc, qui représente au fait persécution, comment ban soldat fait venir, des fois dans la vie, qui représente ban persécution? La jalousie, non? Persécuter dans le travail. Tout ça là, il représente maintenant quand nous pécose du temps actuel. Donc tout ça là, il représente quoi? Ban char de pharaon, ban soldat.
qui persécute nous. Donc, mais seulement, c'est que nous devons croire, c'est que nous devons la foi ferme, nous devons croire fermement que malgré tout cela, il y a un plan. Malgré tout cela, devant la promesse bon Dieu, il est bizarre à accomplir. Amen. Voici devant vous autres. C'est quand il y a vraiment quelque chose de merveilleux pour nous devant. C'est quand promesse bon Dieu est prêt pour accomplir. L'élève nous tourne peut-être tasser, l'élève nous tourne un peu peut-être persécuté, oui ou non. Mais nous qui nous devons faire, nous devons comme Moïse, nous devons comme Samuel Dimona, nous devons avoir une ferme assurance. Nous devons croire parce que nous servons un grand bon Dieu. Amen. Et nous devons atteindre la terre promise, vous êtes. Nous devons dire comme ça dans notre travail, par exemple, tes affaires. Alex, pas là. Mais moi, je veux dire comme ça, qui patron qui a PPS écoute nous, collègue PPS écoute nous, je connais qui fait pour ses promotions au devant. Amen. Donc, il y en a tout le temps. Bon Dieu est tellement bon, qui se plante tellement merveilleux, qui se promet, si pas faillir à sa parole, pas accomplir chacun de ses promesses dans nous la vie. Nous, qui nous avons pour faire, comme Caroline peut dire, dis atteindre, recevoir, prier, reste ferme dans la foi et continuer à persévérer et avancer parce que la mer rose, puis il y a plus grand la mer. Puis il y a une puissance qui est plus grande que la puissance de Dieu, vous êtes. Amen. Parce que ce qu'il y a fait avant, il est toujours pareil. Nous, bon Dieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est une petite question. Comment est-ce qu'il nous gagne l'appli, vous? Comment est-ce qu'il a appli formé? Allez, comment gros on y a ce noir là? Donc, ce qui nous apprend dans l'IVS, à l'époque, tu n'as pas d'IVS, ça c'est là, n'est plus dans l'IVS, il nous apprend dans l'IVS, c'est qui? Encore salaire, non, coltose, pas quoi. Les là, de l'eau évaporée, les là qui nous gagnent la vapeur montée, les là qui forment nuage. Mais pas tout nuage, pas dans tout nuage qui l'appli, non, qui donne l'appli. Qui nuage qui donne l'appli? Allez, ça demande bien gros. Donc, bien gros nuage là. Vous êtes nous aussi pareils. Nous aussi pareil. Des fois, bon Dieu, il permet déjà de tester nos patiences. Nous attendre. L'appli n'a pas fait tomber. Nous continuons à attendre même. Mais quand l'appli tombe, quand il y a une bien noire, une bien gros, qui s'en a quand même empêché ça, l'appli l'a tombé? Personne. Mais pareil. Quand promesse bon Dieu dans nous la vie, il finit pareil. Quand plan bon Dieu, là, il finit pareil pour nous. Qui s'en a qui est capable d'empêcher bénédiction bon Dieu couler dans nous la vie? Personne. Diable qui a persécuté nous, diable qui a mis une mauvaise pensée, nous qui a eu un moment difficile, mais non, nier tout ce qu'il est diable pour autre faire, c'est que pour nous, en Christ, il reste pour nous. Laisse nous un frère et sœur à côté de nous, dis-moi ce qui pour toi, ce qui bon Dieu est réservé pour toi, il reste pour toi. Il est la même, lui. Amen. Est-ce qu'il nous croit là-dedans? Amen. Et juste un petit point avant qu'il me termine. C'est ça, ce qu'il me dit, c'est que la terre promise est toujours là. Le peuple d'Israël, qui te dit à Moïse quand tu trouves la mer devant eux et quand tu trouves Pharaon, puis venir derrière. Je dis à Moïse, comme ça, mais plus vaut mieux nous tirer. Plus vaut mieux nous tirer dans l'Égypte. Alors, qui la terre promise, tu existes après. Qui tu n'existes pour faire? Laisse bon Dieu combattre pour eux. Et quand bon Dieu combattre pour eux, tu ouvres la mer rose, une récit traversée. Maintenant, tu dis, il y a une recherche, tu dis, comme qui, enfin, toujours, pour expliquer ben, quelque chose de la Bible, tu dis comme ça, mais non, car la marée t'y bat. Mais la marée t'y bat. Bien bon, mais. Je ne peux pas croire qu'il y a du monde noyé dans la marée bas. Non? Donc, nous connaissons que la marée n'est pas bas. Nous connaissons que nous servons un grand bon Dieu. Amen? Voilà. Donc, il dit est bien clair qu'il y a un feu englouti, c'est-à-dire recouvert, net. Voilà. Donc, là, c'est ce que je veux dire. Encourage-toi.
pas être gauche à droite, même si nous humain, même si des fois nos raisonnements humains, ils poussent nous à être X, Y, Z, à retourner vers nous passer. Mais c'est mon bon Dieu de nous comme ça, qu'il est devant. Bon Dieu, il va estimer que tu peines à estimer. Amen. Nous connaissons ça, santé, non? God will make a way where there seems to be no way. Vraiment, bon Dieu, il va estimer que nous ne pas trouvons ses mains. Comment il fait ça? Quand il peut faire ça, ça nous laisse ça dans cela. Mais ce qui nous connaît, nous la fait, c'est Dieu qui nous connaît, qui peut agir. Amen. Nous continuons à avancer. Malgré l'obstacle, nous continuons à avancer. Nous persévérons. Nous disons, oui, Seigneur, pour rentrer dans tes promesses. Oui, Seigneur, ton plan pour accomplir. Oui, Seigneur, ta bénédiction pour découler dans ma vie. Puis, aucune persécution qui peut arrêter moi. Puis, aucune mauvaise parole qui peut arrêter moi. Parce qu'il m'a deux enfants. Amen. Je voudrais que cette parole-là, bien qu'il écoute, fin capable d'être zut pour après. Oui. Donc, me dis zut, nous mettons-nous debout. Une petite case, il fait ça, chant-là. Me dis, bon Dieu, où vais-je s'y mettre? Là, que tu n'as pas à s'y mettre. Il travaille dans l'invisible et il a paix ouvert si mais pour moi. C'est lui-même mon réconfort, lui-même qui me bondit. Et c'est dans ce les bras même qui nous envie rester. Moi, Caroline, tu peux dire. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. Je remercie toi, Seigneur Dieu, qui toi te donne nous la force, toi te donne nous, Seigneur Dieu, le courage, Seigneur. Et cette foi ferme et cette espérance, Seigneur Dieu, en toi. Seigneur Dieu, nous demande-toi, Seigneur, qui te garde nous toujours, Seigneur. Toujours, Seigneur mon Dieu, ferme. Toujours, Seigneur mon Dieu, fort, Seigneur Dieu. Malgré que même si des fois, Seigneur Dieu, nous l'armée capable de tomber, mais toi, tu es celui qui relève nous, Seigneur. Toi, tu es celui, Seigneur Dieu, qui restaure nous, Seigneur, et qui permet qu'il nous avance, qu'il nous aille encore plus loin, Seigneur Dieu, parce qu'il te promet, Seigneur mon Dieu, il n'est pas loin. Ta bénédiction n'est pas loin, Seigneur Dieu, alléluia. Et nous envisageons d'avancer, prends, Seigneur Dieu, ce qui est ton réservé pour nous, Seigneur. Et si vraiment nous ouvrons vraiment cet acte de foi, nous lève-nous la main. Et surtout, nous lève-nous la main, nous délamer. Si bizarre nous dit, oui Seigneur, m'avancer et me prends ce que toi tu es là pour moi. Et nous dit, même si Astella ne m'a pas trouvé.